J'espère qu'on m'entend bien. Moi perso je t'entends mais... Allez go. Bon alors les amis, je vous explique le but de cette nouvelle vidéo. J'en ai déjà parlé sur mes réseaux. Pour vous dire que c'est vrai que ces derniers temps j'avais envie de tourner une vidéo pour ma chaîne, mais que j'avais pas du tout d'inspi. Et c'est vrai que les vlogs sont revenus à la demande plusieurs fois, parce que bah vous savez que sur ma chaîne la plupart du temps je sortais tout le temps les vlogs. Et pour le coup ça fait un moment que j'en ai pas fait. Et c'est vrai que je sautais sur l'occasion puisque je pars un week-end avec mes copines. Franchement je me suis dit trop cool de tourner un vlog entre copines. En plus vous les connaissez pas, c'est pas des copines à moi qui sont du milieu médiatique, donc c'est encore mieux. Je pense que vous allez adorer parce que on va faire des trucs trop cool. On va profiter à l'hôtel, on va aller faire une rando lundi, on va faire des trucs cool. Et en plus bah ça va être drôle parce que vous allez suivre quatre copines ensemble. Donc du coup je vous souhaite la bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. Oh, we could fly. Marie, Camille et moi, c'est Puce. Donc on s'appelle Puce. On s'appelle tout puce le long à de la journée. Ouais. En fait, dès qu'on dit une phrase, dans la phrase, il y a Puce. Si on dit pas Puce, on meurt. Et on dit tout le temps déglingue. Donc, oh, je vais faire la déglingue. Oh, Puce, t'es en déglingue. Déglingue à tout le monde. Mais à toutes les sauces aussi. Bon, les gars, ça y est. On a récupéré Juju, Julia à l'aéroport. Et du coup là on va se faire un gros domac dans la voiture. On va s'arrêter au drive parce qu'on a trop faim. Donc voilà, c'est parti. Par contre faites vraiment attention parce que je conduis vraiment comme une baltringue. Ouais. Oui, je confirme. Alors Julia, t'as fait bon voyage? Super voyage, mais je suis vraiment choquée de quitter le soleil de Paris pour retrouver la grisaille du sud. C'est vrai que là il faut pas entendre cette phrase un jour. Mais moi non plus, je pensais même pas la dire. Ça veut dire que j'ai pris que des trucs légers, je vais dans le sud tu vois. T'inquiète, demain il fait beau. Demain on va randonner et yeah baby. On va maigrir demain. Oui, on va maigrir. Combien d'heures demain juste? Je sais pas, on va faire 3 heures. Ah, j'ai pas compris. 3 heures. Recule, recule. Le ticket. Ce matin. Ah, elle a pas pris le ticket. Ouais, parce que sinon ça suffira. Mais où prend la. J'ai pas pris le ticket. T'es bon, je sens que ça part bien celui. C'est bon. Oh merde, j'ai oublié. Oh, là oh là ça là va. Bonjour. Je suis pris avant. Vous allez manger quoi alors? Je sais pas, j'hésite. Et toi? Je sais pas, j'hésite. Mais on est à deux d'autres commandés, y'a personne qui sait ce qu'il faut. Je... Alors, on va prendre un menu 9 nuggets, s'il vous plaît, frites coca. Moi je vais prendre un menu double filet au fish s'il vous plaît, avec frites coca, et je vais prendre du coup 6 nuggets. Merci. On s'est mis dans un parking pour manger. Bah Jou. Bah je sais pas, il y a un problème. Qu'est-ce qu'ils disent? Passer le week-end ici. Tu sais que je l'ai démarré il y a genre 5 minutes hein. J'ai plus de batterie. Non. Regarde. Non. Qui a des pinces les gars? Non, c'est une blague. Si, là, il y a plus de batterie frère. Mais non. Mais comment c'est possible? Non, mais je dis pas ça. Mais comment on fait? Faut arrêter une voiture. Il faut qu'on trouve quelqu'un qui a des pinces. Allô Franck, ça va? Ah, tu sais que j'ai un problème hein. Non, mais tu sais pas ce qui vient de m'arriver là. Je suis à Saint-Laurent, j'ai récupéré toutes mes copines pour qu'on aille à S. J'ai réservé un hôtel, tu vois. Et on s'est posé pour manger McDo dans le parking de Cap 3000. Et quand je démarre la voiture, elle a plus de batterie. On va venir te sortir de cette situation, mais mets-toi un déguisement, tu vas te faire agresser dans Cap 3000. Ah, c'est rassurant. Dans 20 minutes, je suis là, je viens avec ma voiture, je viens avec des cosses, comme ça on la fait démarrer. Non, mais ok. J'ai vu que c'est une automatique. Ouais, c'est une automatique, mais moi j'ai une automatique aussi, ça change rien, c'est pas grave, on va mettre les cosses dessus, on va démarrer avec ma batterie, ta voiture. Si, d'accord, ok, ça va. Et bah écoutez, quel bon week-end. C'est génial. Et en plus, c'est quoi quand j'ai dit que j'allais vlogger le week-end? Il y a des gens qui m'ont écrit, j'espère qu'il t'arrivera pas de péripéties. Parce qu'à chaque fois que je fais des trucs, il m'arrive tout le temps des mails. Il y a des gens, ils t'ont mis un œil. Ouais, c'est ça. J'ai acheté la voiture il y a un mois. Le mec, je lui ai fait le truc comme ça. J'ai même pas de respect pour ma voiture que je tombe en panne hier. J'ai envie de pleurer. Quoi? Tu pleures. Mais je pleure pas, mais j'ai envie de chialer. Non, mais je te jure.
Mais ne me laisse pas J'ai la haine, frère. T'as pas des histoires à raconter? J'ai vraiment la haine. Franchement, personnellement, ça m'est déjà arrivé plus d'une fois. Donc, ah ouais? Ah ouais? Peut-être ah que je suis le chat noir de cette voiture. C'est toi. Bon les gars, c'est très grave là ce qui est en train de se passer. Je vous explique. On s'est pris un McDo avec les filles, on s'est dit qu'on allait se mettre dans un parking pour manger vite fait, après on allait tracer à l'hôtel. Et du coup on a parlé, bon ça a duré quand même une heure parce qu'on a bien parlé. Et on s'est dit bon allez ben on reprend la route, on y va, impossible de démarrer. Donc ma voiture n'a plus de batterie, donc on est bloqué dans un parking. Bon ça y est, on est reparti. Enfin, non mais faut quand même expliquer qu'au final, bah, on est resté une heure dans le parking à manger un McDo avec les phares allumés. Et du coup la voiture voulait plus redémarrer, donc plus de batterie. Et en fait on l'a laissé donc pendant 30 minutes à attendre. J'ai vu Lou rallumer le moteur juste pour ouvrir ma fenêtre. Et en fait on s'est rendu compte que la voiture, elle, bah, le moteur il a redémarré tout seul. Donc du coup on a pu redémarrer sans recharger la voiture. Mais je pense quand même que ma batterie doit être vérifiée. Et du coup tu penses qu'on arrive dans combien de temps? Là on est arrivé dans... Dans le suspense? Dans 1 km, ouais, 1 km. Ah oui on est, ok d'accord. Regarde ce paysage là, le paysage est vraiment magnifique. C'est vrai. Le guide peut nous dire un peu l'histoire du paysage? Non pas ici, désolé. Bah regardez cette mer magnifique. Oh my god. C'est beau. Nous sommes donc sur la côte de l'Est. T'as pas ça à Paname, voilà. Ah voilà, y'a pas. Malade ou quoi? Mytho. Elle est partie pour la caméra, t'es obligée de dire des. Non mais franchement. Je t'ai commandé un Coca Zéro, ça te va? Ah, tu me connais bien. Bah oui, attends, t'es ma copine, wesh. Ah oui. Ah, j'ai réservé le resto à 22h à Loupentaille, c'est l'un des meilleurs restaurants de Nice, genre. Ah, je connais pas, génial. En fait, il y a le Nespo. Ouais. Le Nespo, c'est hyper connu, genre tout le monde, toutes les stars là-bas, genre c'est vraiment tout le monde. Et vu que moi, j'ai des stars aussi. Non, pas les stars de télé, genre les vraies stars. Les stars. Les stars du sport, les stars de cinéma, les stars de la musique, genre tout le monde va là-bas. Et en fait, Loupentaille, c'est le père de Nespo. Ok. Et c'est un restaurant, genre, si tu préfères, qui a des décennies, genre, c'est un restaurant de famille. C'est hyper connu, genre. Voilà. Okay, et du coup, on y va pour 22h. Charmé. Et avant ça, on va au spa. Allez. Et à 18h, je poste ma vidéo YouTube. Et vous allez voir. Tchatcheuse. Franchement, plus que tchatcheuse. Et j'ai une mission pour toi, j'ai pris une tenue de ouf. Ouais, avec mes nouvelles chaussures jaunes, là, les gros talons. On va vous envoyer une photo. Une photo. Bah, voilà. Hey. On va avoir la chambre. Ah, il y a déjà nos valises. Wow. Ah, ils ont déplié votre lit. Bah attends, il n'y a pas que ce lit, j'espère. Regardez la vue, mais oh my god. Mais c'est trop beau. My god. Wow. C'est magnifique. Regardez la piscine. Regardez en bas comme c'est beau. Ça va être génial la randonnée demain. Ça va être génial la randonnée super. Demain. Waouh. Pierre feuille caillou ciseaux pour savoir qui dort là. Waouh. Bon bah allez, on va se poser un peu. Il y a Joyce qui va me faire mes cheveux. Cette vue par contre, je ne m'en passe pas. Heureusement qu'on est là deux jours parce que ça suffirait pas sinon. On y va. Direction le spa. C'est pas grave. C'est pas grave. Allez. On a les clés, c'est pas grave. Oui, c'est moi qui l'ai. Ok. Oh non. C'est pas le meilleur spa. Voilà. Ah ouais. On va rentrer dans la chambre et on a demandé à ma mère. Sympa. Waouh. Allez go. Avec le coucher du soleil. Surtout restez avec Josepha si vous voulez maigrir, c'est génial. On prend 14 kilos avec elle. Alors, je sais pas. Et qu'est-ce qu'ils ont tes pieds? Je suis à pieds nus dans l'ascenseur, ça te choque pas toi? Bah écoute, nous on est les chaussures mouillées. Donc... One life, les fétichistes. Les fétichistes que j'allais dire, ils vont qui? En sueur, les fétichistes en sueur. C'est pour vous les gars. Ah non. À la biche. Bah voilà, on est dans ma chambre, donc on s'est pris un petit.
spa avec Julia. Mais c'est vrai que le spa, moi je suis pas du genre à critiquer. Franchement, chacun a son avis. Mais moi, j'étais pas trop fan du spa, du coup, on se rattrape avec un petit bain. Et on va pas tarder à se préparer pour aller au restaurant ce soir. Entre Girl et il y a Marine, mon autre meilleure amie, qui nous rejoint à l'hôtel pour aller manger au resto ce soir. Et puis on va pas dormir trop tard. Bon, on est en mode préparation là, avant d'aller au resto. Il y a Julia qui est en train de se faire coiffer par Joyce. Oh, je me suis rasée les aisselles, je suis vraiment trop contente. Ça faisait genre 15 jours, j'avais des poils sous les bras, j'en fais plus. Petit make-up. J'utilise une palette. Et du coup, ce soir, on va manger entre filles. Et c'est vrai qu'on va pas rentrer trop tard, vu que demain, on va faire la randonnée. Je pense qu'il vaut mieux qu'on ne force pas trop. Sinon, vous pouvez parler, hein, je suis en train de tourner vite. Non, mais la meuf, elle a pas d'amis, elle demande aux gens de lui parler. Je m'en ai trop. Dans son maquillage solo, elle peut parler. Gros coup de pression, genre. Ouais. Alors, comment ça se passe ton maquillage? Je sais pas. Bah, bien. Faudrait que je fasse un tuto make-up. Bah, oui, ouais. Je crois que tu le dis, tu l'as jamais fait encore. Bah, non, mais il faut que je le fasse. Attends, tais-toi, on vient de trouver trois cheveux blancs, sérieux? Non. T'es chaud, t'as les cheveux blancs? Tais-toi, j'ai pas de cheveux blancs. Bonsoir. Hello! Bienvenue dans cette vidéo! Calmez votre voix, s'il vous plaît, je n'en peux plus. Toi, pour faire genre mes bananes à beauty, les rouges à lèvres? Bah. Est-ce que c'est normal d'avoir des stylos, genre, dans un truc de maquillage? Parce que des fois, j'écris. Et donc, tu te maquilles en écrivant, ça l'idée? Ah non, je suis pas prête. Ah là, t'as un rouge pétard! Bobby Brown. Elle n'a même pas à faire ses Let's go. Don't hide away from me when I need you most. We got love and I have to know. Bonsoir. Merci, ça va? Just pick up your phone, tell me where you'll be, cause I gotta know. Let me know when you're ready, cause I made reservations. Mais êtes-vous heureuse ou pas? J'aime trop la truc, je peux manger la truc, je peux manger la truc, respirer caca la truc. Your location used to drop 24/7 every other. Alors, vous allez bien manger, les filles? Incroyable. On va pas faire la fête un peu là? Non. Alors, on fait quoi? On va faire la fête ou on s'aime pas? On se lève à 8h. Moi, je vais être pour la fête. Non. Tu peux pas le coup de chauffer. Connasse. C'est toi qui t'as dit, je suis contente de faire la randonnée, je vais faire du poids. Et bah, il faut avoir. Ok, le coach du duo. Oui, on va voir demain qui va suivre, qui va être derrière et celle qui va être devant. On verra. Là, on est perdu du coup ou pas alors? Tu sais pas, en dépression. Il y a pas de réseau là à faire. C'est ici, ils m'ont amené ici, il faut demander au mec là. Bon, c'est bon, le monsieur nous a dit que c'est à 200 mètres. Moi j'ai un peu froid. J'ai très très froid. Mes jambes, vous avez froid aux jambes, vous? Allez, aussi? Montez genoux. Eh, venez, on y va en courant. Et moi je cours. Allez, on court les filles. Talons fesses. Bon, on l'attente là, vous pensez vraiment que c'est une randonnée ici? Mais c'est obligé que ce soit là. Ça correspond au GPS, à la description du mec qui est sur le toit. Et le mec, il nous l'a dit que c'est ici. Et 200 mètres, selon mes calculs, c'est par là. Ok, très bien chef, nous y allons. Ah ouais, ça ressemble à une randonnée. Enfin, elle est pas très belle la randonnée. Oh, si, ça va. Je sais pas, tu vas te manger la caméra dans la tête. On va voir qui ferme sa gueule. Tu nous emmènes dans une randonnée avec des clôtures électriques, franchement. Bah, c'est pour pas que tu te casses la gueule dans le ravin. Ah, si c'est pas pour que je me casse la gueule dans le ravin, ma foi. C'est que ça va, non? Bon, bah, j'espère qu'on sera en vie, hein. À toutes. Arrête. Man vs Wild. C'est nous. Heureusement que j'ai regardé quelques épisodes. Grave. Mais c'est le mec, la dernière fois, je t'ai dit qu'il se découpe et qu'il découpe un chameau qui se met dedans pour dormir la nuit. Ah, oui, c'est vrai. Oh, mais le pauvre chameau, oh putain, il fait chier les gens comme ça. Regardez comme c'est magnifique, franchement. La meuf schizophrène, tu sais.
C'est horrible, regardez comme c'est magnifique. Oh, regardez comme c'est horrible, abandonner une mer, c'est doublement comme c'est beau là. Oh là là, mais c'est quoi là-bas? Qu'est-ce que t'as dit, Juju? Ça sert à quoi en fait ces trucs? C'est pas elle, voilà, elle a pris ça que pour le style. Mais ça sert à quoi sérieux? Bah, c'est pour. Se défendre en cas d'attaque. Déjà, et surtout pour t'aider à marcher normalement, faut que tu prennes le rythme. Mais là, tu l'as. Mais je sais pas si t'as le rythme des bâtons là. Voilà, là on tient quelque chose. Complètement déglingue. Alors, ça se passe comment cette randonnée? Trop bien. C'est vrai? Ça fait trop du bien, on respire le bon air frais là. Ouais. Est-ce que on a vu des choses dangereuses ou pas? Non. On est sur le bon chemin? D'accord, on dirait deux enfants à qui je réponds oui. Non. On y reva? Allez, c'est parti. C'est quoi le délire? On en va voir, non? Si, de ouf. On va voir. Venez, on va voir. On dit que c'est des travaux. Mais des travaux dans la forêt? C'est la résonance. Ouais. T'as vu, c'est des travaux. Mais du coup, c'est quoi, à ton avis? L'écho de je sais pas quoi. Moi, j'ai l'impression que c'est un genre de tractopelle. Ouais. On y retourne? Allez. J'ai quand même eu peur. Moi aussi, en plus, on entendait des loups. On se décale, VTT. Putain, vous êtes un génie, monsieur. Vous êtes un génie. On se demandait comment les VTT arrivent à faire ça et ah ouais, vous êtes incroyable. Vraiment des génies, monsieur. Bon courage, vous êtes extraordinaire. Mais nous, on marche. Là, on descend. Mais c'est ce qu'on a vu, on s'est dit VTT, mais comment vous faisiez? Oui. Vous êtes monté. Il n'y a pas un endroit où... Ça monte aussi, il y a un endroit où ça grimpe, non pour... Ouais, ça fait que grimper et descendre. Bonne journée, messieurs. Mais je veux pas mentir loin de toi. Crois-moi, un jour, il faudra bien partir. Je veux avoir une dernière chance. Que Dieu révise son jugement. Tac, tac, tac. RSK Grinardo, bien sûr qu'ils m'ont raté. Shifter Pro. Shifter Pro. Contresens. Contresens. Ma chérie est déjà contresens. Ma chérie est déjà contresens. Allez, on monte. Allez, en courant. Non, non, allez. Non, ah, oula. Allez, petite, on avance. Elle fait 17, elle va mourir. Oh mon dieu. Till my shadow turns to sun rays.